On assiste ces dernières années à l'émergence de plusieurs initiatives chrétiennes en matière d'éducation, en France et en francophonie. Depuis 20 ans maintenant, des crèches, des écoles maternelles, primaires, plus rarement des collèges ou des lycées ont vu le jour. D'où viennent-elles? Qu'enseignent-elles? Quel est leur but? Le monde anglo-saxon connaît un mouvement similaire, mais d'une toute autre ampleur. Entamé aux États-Unis au début des années 60, alors que le gouvernement décidait de supprimer la prière dans les écoles américaines, il représente aujourd'hui plusieurs milliers d'écoles, de collèges et lycées, et même universités évangéliques. L'Association internationale des écoles chrétiennes en dénombre à elle seule près de 4500. Plus récemment, on a vu se développer l'instruction parentale, ou école à la maison. L'enseignement, dans ce cas-là, est assuré par les parents, un tuteur ou des cours par correspondance. Ils sont déjà plus d'1,5 million d'enfants qui ne fréquentent plus l'école, mais étudient à la maison. Non, il ne s'agit pas d'une nouvelle mode ou d'une importation américaine. C'est plutôt une redécouverte de ce qui existait en Europe, et plus particulièrement en France, il y a 300 ans, au temps de la Réforme. Notre pays était parsemé d'écoles ayant pour enseignants des chrétiens convaincus et consacrés, ayant la Bible comme ouvrage de référence, et la prière quotidienne comme respiration de l'âme. Des pédagogues et des enseignants illustres ont semé la parole de la vie éternelle dans les âmes qui leur étaient confiées. Où sont donc passées ces 2000 écoles et 12 académies réformées des 16e et 17e siècles en France? Elles ont disparu dans les remous de la contre-réforme. La révocation de l'édit de tolérance envers les protestants huguenots a fait s'exiler des dizaines de milliers de croyants. Enseigner la parole signifiait pour eux risquer leur vie. Par la suite, le siècle des Lumières et son humanisme effréné a eu pour fruit les lois athées de l'époque révolutionnaire, qui placent l'homme au centre de l'univers, en excluant celui qui donne la vie à tout être sous le soleil. Des milliers d'églises, de temples et d'écoles, tant protestantes que catholiques, ont été fermées. La raison fut érigée comme valeur suprême au détriment de la révélation. Il y a 120 ans, l'école publique et laïque a eu raison des derniers rescapés. Puis il y eut la séparation de l'Église et de l'État. Ainsi, des générations d'enfants sont enseignées selon des philosophes athées ou agnostiques. Que reste-t-il du christianisme dans nos écoles publiques? Qu'apprend-on sur la fondation du monde, l'origine de l'homme ou l'existence de Dieu? Les tenants actuels de l'éducation chrétienne se réclament de cette parole du prophète Ésaïe au chapitre 58 et au verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui rend le pays habitable. Si certains quartiers de nos villes sont devenus dangereux, voire inhabitable, n'est-ce pas justement parce que dans notre société moderne, les valeurs fondamentales sont bafouées, ignorées, perdues? La génération montante manque de ces repères que la famille, l'Église, l'école, la société devraient leur inculquer. Ce court reportage va nous permettre de découvrir la raison d'être de ces nouvelles écoles et d'entendre quelques témoignages de directeurs, d'enseignants, de parents et d'élèves. Luc Bussière préside l'association qui gère
une des principales écoles privées évangéliques de France, l'établissement scolaire Daniel, à Guévillers dans le Haut-Rhin. Il est également conférencier et auteur de plusieurs ouvrages, notamment historiques, sur l'éducation chrétienne. Voilà, j'aimerais simplement répondre à la question « Qu'est-ce qu'une éducation chrétienne ?» et pourquoi tant d'efforts pour s'occuper d'école chrétienne alors que l'école pourrait être si facilement gratuite, à proximité de chez soi? Alors pourquoi tant d'efforts, tant de sacrifices, tant de remue-ménage? J'aimerais simplement dire que ce qui nous anime, c'est la volonté de toucher les enfants dans toutes leurs dimensions de leur être, leur corps, leur âme, leur esprit. Et cette compréhension qu'ils ont aussi un esprit, quelque chose d'éternel, dans lequel il faut investir, c'est ce qui nous motive. Et je crois qu'on est très fort actuellement dans toute notre pédagogie sur les moyens. Il n'y a jamais eu d'aussi bons moyens, manuels scolaires, techniques, audiovisuels, mais on est pauvre en finalité. Et je crois que l'éducation chrétienne, c'est retrouver, redonner une grande perspective, la perspective de l'éternité, la perspective de la destinée de chaque enfant. Je dirais que ce qui est particulier dans l'école chrétienne où sont mes enfants, dans une école chrétienne, c'est déjà le fait que dans la salle de classe, les maîtres, les maîtresses redisent aux enfants combien ils ont de la valeur, qu'ils sont précieux, qu'ils ont une destinée. Et ça, je trouve que c'est formidable. Ensuite, c'est aussi la proximité avec l'enseignant, en particulier si on a un enfant en difficulté d'apprentissage, le fait de pouvoir dialoguer en permanence, de pouvoir vraiment travailler en partenariat, ça donne vraiment la sécurité à l'enfant pour pouvoir s'épanouir. Et je dirais le fait d'aller tous dans le même sens, avec les mêmes valeurs, eh bien, il y a ce cadre pour que l'enfant s'épanouisse dans son identité. Le début, je suis allée dans une école pas chrétienne, j'arrivais pas à lire et à écrire. Alors je suis allée dans une autre école, Emmanuel. Alors là, ils m'ont prié pour moi et loué. Et je suis arrivée mieux, enfin avancée. Alors maintenant, je suis en CM1. Nous avons choisi de placer nos trois filles dans ce collège parce que nous croyons que Dieu est vraiment au centre de chaque matière et qu'elles peuvent grandir dans cet univers avec Dieu partout et en tout. Donc voilà maintenant 12 ans que je suis heureux de travailler parmi les enfants, de leur parler du Seigneur, de leur montrer qu'ils ont de la valeur aux yeux de Dieu et que Dieu a un plan pour eux. Voilà 12 ans, j'ai reçu une parole précise du Seigneur. J'étais converti depuis peu et je lisais les Écritures quand un verset m'a particulièrement interpellé. Lorsque Jésus dit à ses disciples, mettez-les par rangée de 50, c'est comme si Dieu me disait, Denis, je veux que tu fasses un stite. Je m'interrogeais pour mon avenir, j'avais remis ma vie entre les mains de Dieu et j'étais résolu à faire ce qu'il me demandait de faire et voilà qu'il m'a indiqué une direction très claire. En CD, je me suis convertie très vite grâce à mon professeur qui m'a beaucoup aidée et grâce à mon école. Ben en fait, on est un peu la même histoire. Je suis dans ce collège depuis 4 ans et l'année dernière, j'ai eu l'occasion de participer à un séminaire où Dieu m'a vraiment montré des choses par rapport à mon avenir. Il m'a montré que j'irais travailler aux États-Unis et il m'a vraiment donné de l'amour pour ce pays. Et j'ai vraiment à cœur de travailler parmi les jeunes de ma génération. Donc, à la suite de la venue d'une dame du Canada, elle m'a dit que j'avais le don de consoler les cœurs, d'encourager. Et j'ai vraiment pris ça pour moi et je pense que c'est vraiment le Seigneur qui le veut. Et grâce à ça, mon vœu, ça serait de devenir missionnaire et je pense que grâce à ça, je pourrais vraiment partager ce que j'ai vécu à d'autres pays et consoler pour annoncer la bonne nouvelle. Quoi de plus beau que de voir des enfants, dès leur plus jeune âge, apprendre à connaître le Père, comprendre le sens de leur destinée et se préparer à y entrer.